Malikia, mfaume de wa mikia. Oh, Malikia, mfaume de wa mikia. Oh, Malikia, mfaume de wa mikia. Oh, Malikia, mfaume de wa mikia. Coucou, du coup là on se retrouve le matin, il est 7h et quelques, je dois partir à 8h. Et en fait ma mère elle m'a dit que je dois d'abord faire le ménage dans la maison avant de me laisser sortir. Du coup on va essayer de faire ça vite et partir. Et vu qu'il n'y a pas d'eau, on prend dans la réserve. Du coup là on est à Chicoli. Là je vais partir à la mairie de Chicoli parce que Rufianti va me récupérer là-bas. Mon trépied bouge comme jamais et je déteste ça. S'il vous plaît le maire de Chicoli, faites-nous un pont. On en a marre de passer là. Et à ça en fait on peut... Regardez, je dois traverser comme ça. Du coup moi je passe tout le temps par la rivière ici. Et je dois traverser comme ça pour partir de l'autre côté. Bismillah. Coucou, du coup là on se retrouve à Barakani ou Hapanzo, je sais pas vraiment c'est où, mais vu qu'on n'est pas vraiment à Chicoli, j'ai pas vraiment l'habitude de filmer des gens dans d'autres villages, du coup ça c'est une nouvelle expérience. Du coup là je viens d'arriver à Barakani, là je montre aux dames là là je leur mets YouTube comme ça ils regardent. Madame, oh. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Où fanyachi n'va pour? Tu t'engages sur un gouverneur fanyachi. Eh ouais. Mais alors, la gouverneure a vu qu'il bolé ou? Non, pas du tout, non, ça pas bolé. T'as comment? Eh ouais. Bah si, où se les met ouah ouah. Ah, se les met au général caravan ouah. Eh ouais, bah si, ini. Ini masaka kasamba ni ma. On marie soi, il faut na gazo. Eh ouais. Même si je Ewa mari hapa basi. Ewa. Zaina, mama Zaina. Zaina, mama Zaina. Jelitika na mali mama Zaina. Zaina. Natununua gari mama Zaina. Natohuvinga matembezi. Kuma yangu tafadhali buri hasi. Ino ni upindi si hariri Kidani shitani ata minruni Tatsuka jilti wawi tatsuka Tatsuka jilti wawi tatsuka Tatsujwa jilti wawi tatsujwa Tatsujwa jilti wawi tatsujwa Mahaba. Du coup là on a les sacs qu'on va donner je crois aux monsieur qui viennent pour le Mansaraka. Mais moi j'ai pas participé quand ils ont fait. Du coup là on est sur la table des One Harry et j'aime trop la déco. En plus c'est du vert. Aujourd'hui on va mettre du vert, c'est super beau, je vous montre tout ça. Franchement je suis complètement fan de la décoration. Il y a beaucoup plus de blanc que de vert, mais franchement je trouve que c'est bien amené, c'est sophistiqué, c'est super beau. Moi je trouve ça super beau, sauf que le décor dérange un peu à l'arrière. Mais par contre, moi je mets franchement la déco, je mets 10 sur 10. Surtout qu'à Mayotte, je mets 10 sur 10. Franchement. Laisse la place du mari. Franchement, j'aime beaucoup. Il a ses trois compagnons. Excusez-nous, voire quatre compagnons. Non, huit compagnons. Franchement, j'imagine déjà mon futur mari sur son titre, quoi.
là, en ce moment, la voiture, on va partir au Banja. La voiture est pleine, regardez. Et on va partir là-bas, c'est parti. Coucou, du coup là on se retrouve dans le Banja du Manzaraka. Franchement, dès que je suis arrivée, c'est hyper beau. En plus, je suis dans le thème parce que j'ai mis un boubou vert. Et regardez, Aldeco, elle est verte encore une fois. Franchement, ils ont bien fait parce que même les tables des Buena House sont vert et blanc. Ici, c'est vert et blanc. Ils ont parfaitement respecté le thème avec du vert. Ils ont rajouté un peu du doré par ici. Franchement, c'est trop beau. Si je suis au Manzaraka, je les contacte. Je contacte les gens qui ont fait la décoration là. Mais en fait, regardez l'entrée ici. Regardez l'entrée. Franchement, à Mayotte, ils ont des aides. Ce mariage-là, je sens que ça va péter. Franchement, c'est la première fois que je vois une entrée aussi large. J'ai pas l'habitude de voir ça à Chicoli, ni dans notre Manzaraka. Franchement, j'aime beaucoup l'entrée parce que l'entrée parce qu'elle est super large. Franchement, il y a de l'espace pour danser, il y a de l'espace pour accueillir la mariée, il y a de l'espace pour à peu près tout. Ah, vous partez ? Le Manzaraka n'a même pas encore commencé que je mets déjà un bain sur 20. C'est la première fois que j'en ai un. Après, c'est normal, je ne suis pas souvent éblouie au Manzaraka. Et moi, je n'y participe pas souvent. Du coup, là, franchement, la déco n'est pas finie, mais je mets un 20 sur 20. Le chapiteau, il est énorme. Il y a de l'espace pour manger. Il y a de l'espace pour danser. Il y a de l'espace, il y a de l'espace pour le défilé, en fait. Il y en a... T'arrives même pas à t'asseoir. Et là, franchement, les gens, ils auront de la place pour s'asseoir. Et en plus, genre, c'est pas beaucoup de monde. C'est vraiment pas beaucoup de monde. Mais ils ont fait le nécessaire pour faire en sorte que les gens puissent s'asseoir correctement. Qu'ils ne soient pas serrés sur le chapiteau. Et franchement, je sens que ça va être. Du coup, là, je dois retirer tous les sacs. Viens, suis-moi. Je dois retirer tous les sacs. On va mettre dans les Banja. Je lui ai dit, elle filme comme ça. Je fais tout ça très vite. Je vais essayer de faire le plus vite possible là. Pour montrer que Maria des Îles, elle est aussi efficace. Allez, c'est bon. Engagez-moi pour venir travailler chez vous. Waouh. Ça va, tu es rapide, hein, pour de vrai. Elle est efficace. Engagez-la. Du coup, là, je vais ramener ça dans les javis. Discuter. À chaque fois que je vois, un endroit où il y en a pas, j'en mets. Allez, ici déjà il y en a pas. Alors là, les filles sont en train de distribuer les poulets, je pense, sur chaque javi. Javi, ça veut dire tapis. Par là, il y a les messieurs qui sont en train de distribuer le nchari, la sauce pimentée, le nchari. Masikini wami mali zangu zende fitia. Pari yaone hana mlechele. Atiki na hitele ile namba jifosele. Arenge atamania sijiparanga mjilole. Sijipara desole inondini nekati maboneo. Anijeyera urishikwe tsenge sinamura. Eti zivete tukutera koni tulite. Hey, là on va à Sada pour aller récupérer des marmites. C'est parti. Appréciez s'il vous plaît la beauté de mon île. Bon, on est venu à Sada pour récupérer les marmites qui sont là. Je sais pas si je vais emporter. Est-ce qu'il paraît que c'est trop lourd? Ok, je pense que c'est...
Ah, c'est bon, je ramène celui-là. Et hop, c'est parti, on ramène les barbecues. Après, demain, je vais regarder ma vidéo, ok? Ok. Coucou, du coup, là, on va partir à Kokoni pour aller récupérer les box, c'est ça? Et ensuite, on va où? Et après, on va aller... Non, là, tu t'es trompée. On va aller chercher du poulet. À Kokoni? À Kokoni. On va chercher du poulet ensuite, à Kokoni. On va chercher les box chez la mariée. Puis, on va chercher les box chez la mariée. Ok. Regardez-moi tous ces magnifiques riz cantonais. Et je suis trop fan. Du coup, je sais même pas où on est. On est en train de remplir les cartons pour aller les mettre dans la voiture et puis les mettre dans le banja. Ici, nous avons le riz jaune. Tout ce qui est riz jaune ici. Il est temps de faire la transition et aller s'habiller. On est déjà arrivé. C'est là, Lolo. Coucou les amis. Halima roho yangu ibu wabuliona wawe Halima Halima matuna usijiwona Halima Halima na horu inara Halima Waere na mukubali Halima roho ya elaini timuamini Wamina e paka mpakani Halima ujotabia zangu vwanimba nyanzo zae Waeda shindazi mazunda zaka inti wana wale. Du coup là on se retrouve à un endroit où les mariés vont manger et juste à côté on a leur buffet. On a des... je sais pas comment on dit ça en chimaoré, mais nous on dit batabat en chibouché. Il y a des brochettes, des pilao, toute la nourriture est là en parquet. Et ça, par contre je sais pas ce que c'est ce qu'il y a dedans, j'ai pas ouvert pour faire l'indiscrète. Mais je pense que c'est du poulet, je pense que c'est du poulet. Et en fait les filles elles vont être ici, elles vont servir. Pendant ce temps, d'autres, elles seront de ce côté pour prendre la commande et les hommes seront là en train de manger. Coucou, il est 14h. Pendant que nous étions en train de manger, il y avait les hommes qui nous attendaient en haut. Il est 14h du début. Là, on est en train de monter la pente là, à pied, et on y va. Heureusement, c'est pas moi qui tire les parapluies. Plus de ça, je souffre sur cette pente. Juste en face, il y a le cortège. Je vous filme tout ça. Si bulera suko mwezita ma iwana zisopia wanambia mitsala watama wawe ndi wangu udalati tushinda na wafanye watao wamekazani chapa subiri nisoni watolemewa kiamake ni yari kazi totoaroni badine kati ushudia vavodela watama Shua tu delia oyora vavo karito la wana Nikade zangu nyanzo sikane amu Shana ti ubanze leo si ubanza na miso tena Nika uno baku si shinda tena Shiku ni wachawe Waishi wa babu Niazi ya wale Wawa na urutu nasha Urutu nasha Na mkwa tulisha Wakwa unye nila wana Tiburi luna da I'm
En ce moment, je les ai quittés là-bas. Je suis venue du côté de la mariée et je vois qu'il y a déjà de l'ambiance et je vous filme tout ça. Ils sont en train de préparer l'entrée des mariés, enfin du mari et de ses compagnons. Ils font une ligne là et les mariés vont passer. J'ai envie de me reposer. Heureusement, j'ai pris toutes mes affaires avec moi. Et voilà, on part à Chikoni. Nguya nere anilivane ngela dimani mpepeye mpepeye wangu walada mbele walada.
franchement, tout ce que j'ai retenu du mariage, c'est que les filles de Barakani sont très très belles et les personnes qui vivent aiment faire de l'ambiance et ils s'amusent beaucoup. Je viens d'arriver à la maison, j'ai déjà pris ma douche, je vais prier pour l'âge et je tenais à remercier mes abonnés, ceux qui me suivent quotidiennement, ceux qui regardent mes vidéos régulièrement et qui me soutiennent en likant la vidéo, en commentant. Je vous remercie pour tout votre soutien. Je tiens aussi à remercier mes proches comme Tina, ma cousine qui regarde très très souvent mes vidéos, voire tout le temps, qui me soutient tous les jours. Je remercie aussi Hamidati qui m'a toujours encouragée sur mon projet YouTube. Je tiens aussi à remercier ma cousine Maïna qui regarde tout le temps et qui commente. Et aussi ma copine Intina Aisha qui regarde très souvent. Je n'oublie pas non plus ceux qui regardent mes vidéos, les abonnés du silence qui regardent tout le temps mais qui ne commentent jamais. Je vous remercie, vous aussi, je n'oublie personne. Merci. Bisous, bye. À la prochaine, et c'était Maria Desi.